On améliore nos relations avec la Prusse. On va les améliorer avec le Pays-Bas et avec l'Empire Ottoman, comme ça si jamais l'Autriche m'embête un peu trop, l'Empire Ottoman sera pas très très content. Cordial, Cordial, allez, protège-moi s'il te plaît. Celui d'amitié. Oui, mais je veux plus que de l'amitié. Voilà, tu m'as friendzoné. La France m'a friendzoné. Je veux devenir un protectorat, je te donne des thunes. Allez, accepte. Bon, ok, je te donne pas grand chose. Mais quand même. Les Prusses sont coopératifs, déjà, ça c'est pas mal. Est-ce que pas trop de m'attaquer? Coopératif, coopératif. Le reste est désintéressé, voilà. Liberté de conscience. Ah purée, on a perdu 10%, on va voir 15%. Pas de chance. On a regagné de la bureaucratie. Tiens. Ah. À tous les coups, c'est parce qu'on a gagné de la loyauté quelque part. Et ça a augmenté la production de bureaucratie. Ok, on a la conserverie, c'est parfait ça. Donc on a déjà les technos pour faire ce qu'on veut. Là, on exporte ou on n'exporte pas, route commerciale. On exporte les meubles. Niveau 2 en plus. Ah ouais? Ah mais non, mais c'est les vêtements. C'est les vêtements de luxe. On va voir si je peux lui exporter des vêtements de luxe. Route d'exportation. Vêtements de luxe. Marché français. Parfait. Ouais, bon, moins 5 en bureaucratie. Ça fait un peu de gaspillage fiscal. C'est pas très grave. J'ai de l'argent de côté. Alors on se dit, ouais, t'as que 1000 de côté, mais... Bah en fait, c'est énorme. Par rapport à ce que je produis, c'est juste énorme, 1000. Ok, j'ai regagné 10%. Au niveau de la loi liberté de conscience. Le vote foncier. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que... Manufacture de meubles produit, très bien. J'ai un très léger déficit en tissu. Très 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 petit, hein, très très léger. Il n'y a pas moyen que je produise un peu plus de tissu, non. Il me faudrait le range de pâturage intensif. Mais je dois pas avoir la techno agriculture intensive. Je partirai là-dessus. Ça manque de tissu. Ils sont que cordial, eux. Ils commencent à m'énerver. Ah, adhérer à l'union douanière. Alors là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'être protectorat. Et là. Hop là, marché. J'avais créé des routes commerciales. Ce serait bien si je pouvais les retirer. Voilà, elles sont retirées toutes seules, impeccable. Les accords entre propriétaires terriens et élite intellectuelle. On va favoriser l'élite intellectuelle. Alors, voilà, maintenant que ça commence. J'ai réussi à entrer dans dans l'union douanière française. Ce qui fait que maintenant j'ai accès à toutes ces ressources. Et ça c'est bien. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de faire ça en fait. Atelier mécanisé, parfait. On va donc changer la production et on va tout faire en production maximale. Même si ça nous demande des entrées de matériaux supplémentaires, etc. Et surtout... On va augmenter voilà, les niveaux de bâtiment.
Les meubles de luxe se vendent bien. Les textiles se vendent bien aussi, un peu moins, mais quand même bien. Et le verre, ouais, la porcelaine et le verre se vendent comme du petit pain. Donc on va continuer avec les technos associés. Qui sont... Atelier mécanisé, qu'est-ce qu'il y a après? Ah d'ailleurs. Ah, j'ai encore perdu... Avancement de loi, moins... Moins 10%, mince. Au niveau... Ah bah. Au niveau infrastructure, comme je vous le disais. Je suis déjà obligé de partir sur la voie ferrée. Parce que... Bah, utilise 8 sur 9. Même si... Je vais retirer ça. Je peux pas le retirer de suite. Ça me prend quand même 10 000 emplois. Et tant que, bah, que j'ai pas d'autres entreprises qui demandent des travailleurs, on va pas le faire. Par contre, la vache. Avec deux chemins de fer, un an et des poussières. Et je vais pas faire un secteur de construction quand même. Quoi qu'en soit, j'ai l'argent nécessaire pour. J'ai les revenus, hein. On va améliorer ça. Je le fermerai après, c'est pas grave. Putain, même le secteur de construction, combien? 9, 10 semaines? Oh la vache. Voilà, on va faire ça. Alors, notre manufacture de meubles en Luxembourg apporte un petit excédent de production de biens industriels. Nous aurions envisagé de réinvestir dans l'État. Plus 10% de production d'industrie de services. Plus 10% de production de manufacture. C'est parfait ça. Je suis en train de voir si je peux pas faire quelques petits décrets. La manufacture qui est en cours. Terre d'accueil. On peut essayer l'activité migratoire, mais je suis pas sûr que ça fonctionne en fait. Il me semble que ça fonctionne que au sein d'un pays et pas autour. Je sais pas, on verra. Alors, les industriels ont une première satisfaction en voyant la direction que prenait ce pays et ses usines nouvellement construites. Plus 2 d'intérêt. Je préfère avoir des loyalistes. Les loyalistes. Ça a une puissance, c'est comme les radicaux. Les radicaux, ça te pourrit, les loyalistes, ça te monte vers l'eau, quoi. En parlant de ça, où en sont... Oh, les propriétaires terriens! Ils ont pris tellement une gifle! Bah, avec la montée de... Pouah, les industriels! Pardon? Oh. Vous! Alors, ouais, les propriétaires terriens, on va les retirer. On va confirmer. Oh, les industriels. Attends, on va cesser de renforcer, faut pas déconner. 45%. En 10 ans. Ils sont passés de rien à 45%, quoi. On dirait le FN, c'est ouf. On a construit... Voilà, la voie ferrée. Donc on passe de 9 d'infrastructure max à 14. 17. D'accord. Ça va certainement faire 15 en tout, 19, donc on va arriver à 24. 22, 24, et ça devrait être stable. 27? 29? Quoi? Ah oui. Ah oui, avec les pourcentages d'entretien de route, etc., forcément j'en gagne un peu plus. C'est plus 25%? Bah attends. Ça doit être combien de base? Ah non, ça me donne 20. Ah ouais. Donc 20 plus 25%. Trop bien. Trop bien. Là, il y a de l'agitation, Francfort et tout. La Prusse, ouais, elle a quand même pris quelques territoires là. Là, ils sont cordiales. Cordiales. Protectrices.
Ok. Au niveau des emplois, bah ça va être la galère. Parce que là, j'augmente de 3 niveaux, enfin de 1 niveau 3 industries. Et j'ai que 10 000 paysans. À peine plus de 10 000. Bah, il nous ferait pas Waterloo quand même, c'est con. Non, c'est pas au bon endroit. Qu'est-ce que... Mais pourquoi ici? Attends, mais il y a quoi ici? Ah, il y a les Pays-Bas. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, Prusse-Autriche. Ah ouais, oula! Ok, d'accord, calmez-vous les mecs. Hein. Alors, manufacture de meubles. Voilà, on augmente la prod. Ça, c'est très bien. Je ne sais plus où est-ce que l'on peut voir par rapport à un objet qu'il produit, qu'il ne le produit pas. On a les archives centrales, on a tout ça. C'est vraiment pas mal là, on a débloqué pas mal de bonnes techno. Qu'est-ce qui peut être intéressant maintenant? Alimentaire, on s'en fout. Le caoutchouc, on s'en fout. Peut-être ça, hein. Industrie automobile, non. On va regarder. Atelier mécanisé. Ok. Donc là, on arrive au max par rapport à ça. Et après, on fera les chaudières. Ah, oui, c'est le moteur à valve rotatif. Chaîne de montage. Ça nous permettra de produire plus en ayant. Enfin, non, pardon. De produire autant en ayant moins de main-d'œuvre. Donc, qui dit moins de main-d'œuvre dit on peut réaugmenter la taille de la manufacture pour pouvoir la réembaucher après. Au niveau de l'usine à textile, pareil, usine à coudre, ça demande des outils, j'en produis pas, mais il y en a pas mal, je pense, sur le marché français, qui a un prix raisonnable. Très raisonnable même. Ah, il y a texture élastique. Vulcanisation. Donc on va faire la vulcanisation. Qui est... Ah bah c'est un peu loin quand même. Ouais, je préfère faire le moteur à valve rotatif actuellement. Et on partira en fonction sur... Ah mais il faut du caoutchouc. Et le caoutchouc, je suis à peu près sûr qu'il arrivera pas avant un paquet de temps sur le marché. Ouais. Non, bon, on va partir sur les moteurs. Donc sur l'électricité. Un métier à tisser électrique, il doit y avoir pareil ici, hein, je suppose. Chaîne de montage, ouais, c'est électrique. Ah putain, ça a besoin de pétrole. Ah, c'est pareil. À partir sur l'électrique ensuite. Qu'est-ce qu'ils veulent? Indonésie, ouais, rien à foutre. Pourquoi Indonésie? Mais j'ai rien en plus. Ah! Parce que c'est le Pays-Bas. Et vu qu'ils font partie du Rhin et que c'est eux qui sont. Ouais, rien à foutre. Démerdez-vous. Oula, oula, bah dis, c'est compliqué là. C'est très le feu par là. Ouais. On est deuxième manufacture de meubles du monde, hein. Ta vache! Attends, mais ça veut dire qu'on produit bien en vrai. Premier. Liberté de conscience, enfin, j'y croyais plus. Alors j'ai un peu de prestige, je ne sais pas. Par contre, j'ai peur d'une chose. C'est
c'est que là, c'est le marché français qui est considéré comme premier producteur. Et ça me va pas. La première ma... Attends, comment ça j'ai la première manufacture de meubles, elle est niveau 2. Ah mais j'ai les lois pour. Soit j'en produis vraiment que dalle par rapport à... Ah putain, c'est parce que je suis considéré comme le... Comme en étant sur le marché français. Ah, je suis sûr, c'est ça. Ah non, Luxembourg, attends. J'en produis 3000! Et j'en produis 104! Attends, je suis vraiment censé en produire 35 fois plus pour avoir la première place? Oh bah merde! Ça va être compliqué là! Peut-être falloir revoir la copie, hein. Peut-être falloir que je revoie ma copie et que je trouve un moyen détourné, je ne sais pas trop comment, de produire mieux. Là, ça va être pareil, je suppose. C'est mieux. Là, j'ai besoin de produire quoi? 12 fois plus seulement. Seulement. Hein. Oh merde. Et là, quatrième. Ouais, bah alors là, ça va être. 20, je suis sur du. 26, 27 fois plus. Aïe, aïe, aïe. 26, 27 fois plus. Cinq semaines, qu'est-ce qui me rapporte le moins? Hop, l'élevage de bétail, on va les retirer. Voilà. Ça va nous faire re-recruter un peu de personnes, de personnel. Ouais, je préfère vider un peu les terres, etc. Oh, les propriétaires terriens, ils sont 1%. Oh, oh. Attends, je les ai même pas réprimés, en fait. Ah, c'est génial. Loi. Séparation totale du clergé et de l'État. La construction rame du cul comme on dit. Oh, on va augmenter un peu les salaires. Subvention. Ah, c'est la voie ferrée. Moins 5 d'infrastructure, ouais. Je préfère avoir de l'infrastructure en moins. Mais avoir moins de subventions. Surtout que là, au niveau infrastructure, j'ai ce qu'il faut. Hein, pour l'instant. Hein. Vraiment tranquille quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut augmenter un peu nos relations? Oui. Avec l'Autriche, la Prusse, avec le Siam. Mais comment je peux améliorer mes relations avec le Siam? C'est pas très grave. Allez, tiens, on va faire voix du libéralisme. Ça peut être sympa. Attends, on a une. Waouh, on a une augmentation de la population. Ah bah. Apparemment. Le décret terre d'accueil marche plutôt bien. Marche plutôt très très bien même.
Hop là, la presse mise fin à la rivalité avec la France, ok. Manufacture de meubles agrandie. Attends. Ce qui fait que. Ouais. Je n'avais pas assez de travailleurs. Ouais, plus 10%, on va accélérer. Hein. Ensuite, usine de textile et verrerie. Là, si je fais ça, j'ai un peu moins d'emplois. Pas besoin de le faire de suite. On va éviter hein, d'avoir trop de radicaux. Oh putain, et le 1094. Enfin, moins de 2000 radicaux. Insane. C'est quoi c'est? Je suis à 1% de ma population est radicalisée. Oh, c'est génial. C'est si peu. C'est tellement peu. Troisième usine de textile. On a la première usine de manufacture de meubles. Je produis pas des masses. Hein. Là, je suis à 140 sur 3000 quoi. Non, mais en même temps, ils avaient fait un truc, je sais pas où là, quelque part. Quelque part, soit dans les Pays Basques, soit au niveau de Toulouse. Je sais plus exactement. Un endroit par là où ils avaient fait historiquement une production de meubles, c'était une usine d'État, un truc comme ça. Hop, la petite bourgeoisie. Petite bourgeoisie, ils vont être contents. J'ai eu. Donc la séparation totale, ça c'est très bien. On va faire du multiculturalisme. Fuck la bourgeoisie. Voilà. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents, rien à foutre. J'ai vraiment besoin en fait de population. J'ai vraiment besoin d'avoir des travailleurs. Et du taf, viens de chez moi, viens de ma bande. Vous voyez comment on est ben. J'ai quelques cents emplois qui disparaissent. Ben, ils disparaissent où? Oh, dans l'usine de verrerie. Métier mécanisé, j'ai pas le choix. J'ai pas assez de travailleurs, c'est fou. En même temps, regardez combien ils sont payés. 37, 24, oh la vache. Oh, c'est quoi cette baisse de la population là? C'est passé quoi d'un coup là? Oh les gars, vous avez un niveau de vie le 23,6. Ah! C'est quoi ça, pardon? 23,7. C'est quoi ce niveau de vie absolument débile? Il y a peut-être qu'en Île-de-France où ils ont un niveau de vie qui est mieux. Même pas. Soit 18, 23,9. On va atteindre. Non, j'allais dire on va attendre les 24. Putain, si jamais on arrive à arriver. Si jamais j'atteins ça, c'est fou. Ok, putain, par contre, on a une. On a baissé la population de 50 000 là, d'un coup comme ça, paf. Je sais pas. J'ai pas trop compris comment. On a atteint les 24. Ils sont 12 radicaux. De... Ils sont 12. Ils sont que. Il y en a 10! Les mecs, on sait exactement qui c'est! Oh merde! Allez, on va faire ça. Oh! Putain! On les connaît tous, quoi! On a tous leur nom, prénom! Oh, yeah. Ah, ça me fume. Ça va, on gagne de la population. Ça fluctue de fou, je sais pas trop comment ça se fait.
population. Ouais, on va dépenser un peu. Ils savent pas ouvrir leurs ouvre-boîtes, enfin leurs boîtes de conserve, donc voilà. On va leur inventer un truc, quoi. Est-ce que j'ai des paysans? Je dois en avoir, mais ingénieur, bah ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont vraiment très peu, hein. On a des Occitans, putain. Ils ont fait du chemin, hein.